coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ce que j'ai reçu dans ma commande Déguise-toi. En effet, dans une semaine et demie, je vais sortir un tutoriel d'Halloween. J'ai donc fait un partenariat avec Déguise-toi.fr à cette occasion. Et voici donc ce que j'ai reçu. Alors, tout d'abord, il y a une robe. Donc, c'est une robe de princesse Cendrillon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais la mettre tout à l'heure pour vous montrer donc à la fin de la vidéo. Et pourquoi une robe Cendrillon à l'occasion de Halloween? C'est parce qu'en fait le tuto consistera à zombifier cette robe, d'où le reste du matériel que j'ai reçu. Donc pour zombifier cette robe, cette tenue, j'ai reçu donc du maquillage qui va me permettre en fait de salir la robe. J'ai reçu également des boucles d'oreilles, je sais pas si vous voyez, squelette. Voilà, que je porterai avec donc la robe. J'ai reçu du faux sang, bien évidemment, pour Halloween. J'ai reçu également du maquillage. Alors, c'est une palette avec du noir, du gris et du blanc, indispensable pour les zombies. Ensuite, le vernis et le rouge à lèvres qui va bien avec, noir. Voilà. Et puis, je voudrais essayer donc de mettre des fausses plaies de zombies. Puis ensuite, donc, il me reste une dernière petite chose, c'est une bague. Donc normalement, elle fait de la lumière, mais bon, je la laisserai en mode éteinte. Voilà, donc vous pourrez retrouver la zombification du déguisement sur ma chaîne principale, Manzabulle, pas mercredi là, mais celui de la semaine d'après. En attendant, on va aller faire un essai de la robe de princesse. J'ai déballé la robe et voilà à quoi elle ressemble sur le cintre. Donc vous avez une belle grande robe de princesse avec le diadème. Je vais donc l'essayer et vous retrouver. Attention, transformation. Et voilà, donc la robe Cendrillon et puis le diadème de princesse. Donc elle est très jolie et très bien faite. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour voir la transformation de cette robe de princesse en une robe de zombie. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter, les liens sont en barre d'infos, également sur ma page Facebook et puis sur ma chaîne principale, Manzabulle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut !